Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse celle des scribes ou des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, amis de la foi, moi content pour moi avec vous encore à Soya. Jeudi, c'est jeudi de février et nous retournons autour de la parole de Dieu dans la méditation pour nous continuer série nous t'ai commencé, bien-aimés, sur le premier sermon sur la montagne. Premier sermon que le Seigneur Jésus t'a prononcé dans le ministère lit, selon ça, l'évangile, selon Matthieu, présenté nous. Depuis une semaine, Kounia, nous entamons une série pour nous voir en profondeur différents aspects dans le premier discours. Ça, nous t'a commencé avec les béatitudes et nous t'a gardé traits de caractère qui identifiaient mon patricio. Béatitudio, j'en ai dit, c'est tout simplement marque, identité des enfants du royaume de Dieu. C'est ça qui fait où qu'on est, si effectivement on fait partie du royaume, ou bien si on aspire à bagay sa yo, ou aspire au royaume de Dieu. Donc, dans le premier moment, nous t'ai exposé pour vous, bien-aimés, ces différents aspects de béatitudes. Dans un deuxième moment, nous t'ai ouais impact enfant du royaume de Dieu au gain tant que y a vivre de ce côté de l'éternité dans ce monde en fonction de traits de caractère yo gain yo ka gain impact dans monde là et impact yo le Seigneur Jésus t'est présenté yo à partir de deux métaphores que t'es utilisé. Première métaphore là c'était métaphore celle-là le Seigneur et les disciples yo moun kap suivi yo celle de la terre. Et nous t'aurons celle-là, fonction essentielle, li, et c'est pour le préserver finalement, et ça qui est autour de lui, même Jean, ça t'est qu'on fait dans le temps Jésus. Hein. Deuxième métaphore, là, c'est métaphore lumière, et lumière, là, elle est là pour lui briller au beau milieu des ténèbres. Donc, c'est deux impacts, ça y est, enfants de Dieu. Hein. Une fois que les fines imprégnées par les caractères des enfants de Dieu, impact, li, c'est impact, celle. Impact li, c'est impact lumière. Jean le Seigneur enseignait ça. Je dis à mes bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons d'un autre aspect dans l'enseignement ça, le sermon sur la montagne. Jésus pral dresser en réalité ça qui ça lui était venu accompli par rapport à ça qui était existé dans le moment pâle là. Béatitudio, pour me faire rapidement une rétrospective, li dresser yo une façon pour le montrer. Qui sa royaume bon Dieu y est, à qui sa monde qui fait partie de royaume bon Dieu semblé. Et le li fait li, c'est une façon pour li te permettre disciples et full monde qui te attendait enseignement ça, qui pas de gagner l'autre modèle que modèle pharisien yo, scribe yo, chef religieux yo. Jésus a montré yo modèle ça, c'est pas le bon modèle, c'est pas le modèle de la parole de Dieu, c'est pas aspiration yo même yo doit gagner. Les pharisiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, yo prend plaisir pour yo te présenter tête yo yon Jean et justification yo wan, c'était une justification d'apparence. Pendant yo appuyé sur la loi pour yo montrer que yo supérieur spirituellement par rapport à l'autre monde, en réalité, yo pas observé la loi de Dieu d'abord dans profondeur li, dans toute implication li. Ensuite, yo profité pendant il a observé la loi, ajouté de bagaille dans la loi, une façon pour qu'il gagne suprématie sur l'autre monde qui est en bas. En d'autres termes, pendant pharisiens,
yo montré y a observé la loi. Premièrement, yo pas observé la loi dans l'esprit de la loi. Yo pas observé la loi avec transformation qui t'a gagné de l'intérieur. Yo seulement fait dans un modèle de conformité extérieure pour yo montrer moun c'est yo qui pi bon, c'est yo qui gagné plus piété ou bien c'est yo même qui pi spirituel. En même temps, yo profité de la loi pour yo imposer yo avec à l'autre monde. Chef religieux yo dans ton Jésus yo t'ai utilisé la loi tant kou yo marque de distinction pour yo montrer que yo même yo non niveau de spiritualité qui beaucoup plus élevé que l'autre monde qui en bas yo. Donc c'est un paquet de monde qui t'a prend roue libre sur la loi de Moïse, en même temps yo ajouté l'autre loi pa yo yon façon pour yo ka conforter tête yo dans position de pouvoir yo t'ai gagné sous tout res moun yo qui t'est considéré comme moun qui en bas yo. Et donc dans le ministère de Christ à maintes reprises, Jésus a dit disciple fais attention à moun sa yo parce que en réalité c'est vrai yo projeté que y a observé la loi mais que yo l'esprit yo loin bon Dieu yo loin l'esprit ça bon Dieu t'est bail peuple pour l'observer comme loi. Et donc à partir du premier discours, Jésus pral camper le véritable royaume de Dieu et trait de caractère qui caractérisait moun qui fait partie du royaume. Et c'est dans ce sens-là il pral enseigner yo les 9 béatitudes pour dire non, ça n'a pas gardé pharisiens yo a fait là, ça c'est pas ça qui doit aspiration nous. Mais aspiration nous doit gagner. Contrairement à pharisiens yo qui a montré que yo suffisant, yo justifié parce que yo obéi la loi, yo observé la loi, yo c'est monde qui puis spirituel qui gagnait. Nous-mêmes nous doit connaître les vrais enfants du royaume, yo non yon pauvreté spirituelle. Yo connaît yo pas atteindre la justification par l'observation de la loi, mais yo besoin compter sur bon Dieu, yo besoin compter sur acte que bon Dieu a fait pour le justifier yo. Et c'est comme ça le Seigneur dans première partie discours là j'en noté ouel là les contrastés morale pharisien yo, éthique pharisien yo à sa enfant du royaume de Dieu en les doués qu'on est. Dans partie jodi en mes bien-aimés dans le Seigneur pour aller plus loin dans contraste l'a établi entre les enfants du royaume et le monde des pharisiens, des chefs religieux, des scribes, des sacrificateurs de son temps. Et dans le texte nous soutenons à partir du verset 17, Matthieu 5, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Très fondamental pour nous comprendre, ça le Seigneur a dit là. En même temps, l'a enseigné disciple avec foule mounio que sa pharisien a projeté, hein, ce n'est pas véritablement image ou bien exemple, modèle yo doit suivre. Mais l'a dit yo, m'pa vle nous confondre, ça m'a fait là. Parce qu'en réalité, moi pas vini pour m'abolir la loi, mais moi vini pour m'accomplir la loi. Qu'est-ce que ça vle dit, mes bien-aimés? Vous connaissez le Seigneur Jésus a enseigné yon bagay qui est fondamental que aujourd'hui moi-même avec vous nous devons comprendre. Bon Dieu t'a fait choix Abraham et à travers Abraham, il pral choisi yon nation, le peuple d'Israël. Le rappelé de tout l'Ancien Testament, le peuple d'Israël t'est supposé jouer rôle lumière des nations. C'est ça appel différents prophètes yo pour te rappeler peuple ils sont peuple mis à part, son peuple que bon Dieu pral utiliser comme vitrine. Son peuple que bon Dieu pral utiliser pour le montrer l'autre monde que pas gagné de Dieu, que c'est lui-même l'éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui seul Dieu qui existait. Donc bon Dieu t'a fait choix de peuple Israël pour lui lumière des nations. Et pour lui conduire peuple à jouer aux fonctions ça, le Seigneur Dieu lui pral bay Israël un ensemble de lois que peuple doit respecter. Que peuple a dû suivre et c'est en fonction de ça les prales permettent peuple de distinguer de l'autre monde, de l'autre nation qui vivent sous terre. Il se trouve mes bien-aimés dans le Seigneur, loi ça yo que bon Dieu lui-même codifié. Peuple est supposé suivre yo non seulement à la lettre mais dans l'esprit yo, une façon pour y rester dans l'obéissance à bon Dieu
Et c'est bon Dieu même qui a fait au peuple au douillir. Mais l'histoire du peuple d'Israël, c'est une histoire tumultueuse. Peuplant, les pajom rivé kembe commandement bon Dieu yo. En passant, on a parlé de la loi, nous pas parlé seulement des 10 commandements, gagné loi qui rentrait dans tout aspect vie peuple Israël là. Et au total, c'est 613 lois que bon Dieu te bail peuplant pour yo observer, une façon pour yo distinguer tête yo. Mais il se trouve que mes bien-aimés dans le Seigneur, Israël au lieu d'y marcher dans l'obéissance, Israël pas capable respecter principe sa yo, précepte sa yo que bon Dieu te bail yo. C'est comme ça le Seigneur Dieu li gen plan pour li accompli sa te vle accompli à travers le peuple d'Israël, li pral accompli à travers la venue de Jésus-Christ notre Seigneur. Et la loi que peuple Israël pat ka respecté qui te doit conduire à distinction ça, le Seigneur Dieu pral conduit peuple en à une autre forme de justification. Puisque li pa ka justifier tête li par la loi, li pa ka montrer que li c'est peuple ça bon Dieu choisi pendant la observer la loi de Dieu que bon Dieu te bail à Moïse. Eh bien bon Dieu pral fait à travers Jésus-Christ justification en li fait yon l'autre gens. Et maintenant, li pa arrêté seulement en dans cadre peuple Israël, justification ça li pral étendre pour tout le monde qui accepte par la foi, sacrifice que Jésus, petit bon Dieu, en vine fait pour l'ensemble de l'humanité. Gen deux bagay m'pata remè nou rate dans tout ça qui dit là, bien aimé, c'est que non Abraham, bon Dieu gon plan de rédemption pour l'humanité. À travers Israël, moun te dwe konnen le Dieu créateur. Mais puisque Israël pa ka observé la loi, bon Dieu pral vini en personne, dans la personne de son fils Jésus-Christ, pour prendre en main li acte de justification, hein, pour montrer moun la voie qui mène à Dieu, pour montrer moun que Dieu qui créé ciel là, hein, c'est effectivement lui-même qui révélé à moun à travers les temps et l'histoire. C'est comme ça le Seigneur Jésus vini, pas pour abolir ça la loi te doit faire, hein, mais pour accomplir ça la loi te doit faire. Hein. Ça est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur, pour nous comprendre. Le Seigneur Jésus vini, pas pour abolir ça, la loi, bon Dieu, t'es doué fait à travers le peuple Israël, là, mais pour accomplir ça, la loi, t'es doué fait. En d'autres termes, puisque la loi pas capable de faire li, parce que le peuple n'a pas capable d'observer la loi du tout autour, eh bien, gagnons l'autre façon pour ça, la loi, t'es doué fait, li toujours faite, c'est-à-dire la justification. Pour nous gagner accès à bon Dieu, pour nous jouer rôle vitrine pour bon Dieu devant les autres nations, devant les autres peuples, ça la loi pas de café, hein? Jésus-Christ vini pour le faire. C'est dans ce sens-là, bien-aimé, le Seigneur a enseigné disciples que le pas vini pour abolir la loi, mais il vini pour accomplir la loi. Encore une fois, ça la loi pas de café, hein? Justification. Peuple Israël pas de ka joindre à travers la loi, le fait que yo pas de ka mettre tête yo à pas pour bon Dieu en observant la loi, eh bien bon Dieu pral fait li possible pour yo justifier, bon Dieu pral fait li possible pour yo jouer rôle lumière des nations par la justification par la foi. Et donc l'accomplissement de la loi, mes bien-aimés dans le Seigneur, li fait par la venue de Jésus-Christ. Jésus dit, oh, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Pas gagné yon virgule kap sorti dans la loi tant que toute bagaille qui te doué accompli pas accompli. L'appli de l'autre version dans Texa, il est question d'accomplissement et le terme accomplissement l'y répétait deux fois. D'abord, le Jésus dit, moi pas vini aboli, moi vini pour m'accomplir. Ensuite, dans verset 18, là, le dit, pas gagné une virgule qui a passé dans la loi jusqu'à ce que toute bagaille accomplie.
Et ce thème, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'accomplissement, c'est exactement parole ça, Jésus prononcé sur la croix au moment de sa crucifixion, tout de suite avant sa mort. Dernière parole que Jésus prononçait sur la croix, c'est que tout est accompli. Et puis après, il pourra remettre l'esprit dans mes bon Dieu Papa. Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le tout est accompli, c'est exactement sans ça, le Seigneur Jésus, li bail, vini li, sous teyan, pour accomplir, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça la loi pas qu'a accompli. En d'autres termes, la loi toujours existait, la loi toujours là, mais gombaga est la loi pas qu'a fait, ça la loi pas qu'a fait, hein? Le Seigneur Jésus vient faire. Il n'a pas aboli la loi, dans le sens que la loi, li gon rôle li te joué. Cependant, la loi pas qu'a accompli, ça l'était doué accompli. Hein? Donc Jésus vini pour accomplir ça la loi pas qu'a accompli. Hein? La loi pas qu'a justifié moun. Puisque il y a une tentative qui fait à travers l'histoire du peuple d'Israël, il n'est pas capable. La loi n'a pas qu'à mettre le peuple à part pour bon Dieu. Et n'a pas prendre dans la parole de Dieu que y a un monde qui péchait contre youn dans loyaux, il péchait contre tout. Loli dans Jacques chapitre 2 au verset 10, c'est exactement ça Jacques dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc, pour yon moun ta justifié par la loi, faut non seulement li ta obéi la loi du tout au tout, 613 préceptes à respecter, li ta doué obéi ni dans l'esprit et la loi, ni dans l'être la loi. Or, il se trouve que, bien aimé, si yon moun ta fin observé tout 613 ans, et puis il t'arrive péché contre youn, li péché contre tout, c'est-à-dire son bagage qui est absolument impossible pour yon moun river dans la justification par la loi. Et l'homme dit péché contre l'esprit de la loi, c'est comprendre ça veut dire parce que le Seigneur Jésus est venu pour révéler l'esprit de la loi. Les pharisiens ont pris plaisir à observer la loi dans la lettre en oubliant l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est ça qui fait loi. Bon Dieu, il y a tout sens li. Et c'est ça, Jésus-Christ, vient faire comprendre tout. Le libre dit au plus bas, et c'est dans le prochain enseignement, après ça, bien aimé, nous te apprendre, nous te dit nous. Mais moi-même, mes samedis, Jésus vient faire la loi tout sens li, toute profondeur li. Bon, nous avons un exemple. Jésus, dans le texte Piba, Matthieu 5, au verset 43, libre dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Qui sa pharisien yo te prend plaisir fait? Texte ça que Jésus citait, lit dans la loi de Moïse, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je n'ai pas bien temps bien aimé pour me développer contexte historique. Mais ça me tarait mon comprendre. Pharisiens, yo fait deux bagailles. Premièrement, yo pas respecté loi dans essence li. Yo pas respecté li dans ça le gagner comme signification profonde. Yo seulement respecté en apparence pour yo montrer que y a observé la loi. C'est ça qui fait à plusieurs reprises prophète yo y compris le prophète Isaïe, y a réprimandé peuple parce que tout simplement c'est de monde qui a adoré le Seigneur qui prétend y a servi bon Dieu, y a observé la loi mais seulement du bout des lèvres, mais dans leur cœur yo éloigné de bon Dieu. À plusieurs reprises prophète yo a fait même reproche yo, y compris à leader religieux yo. Donc non seulement yo pas respecté la loi dans essence li, dans sens profond li, mais yo profité tout de la loi bon Dieu te bay Moïse pour yo ajouter propre bagay pa yo. Et c'est ça le Seigneur a dit, vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain, ça c'est la loi de Moïse. Mais qu'en deuxième partie c'est pharisien yo qui a ajouté partie qui dit et tu haïras ton ennemi. Quand on va lire le texte de l'Ancien Testament,
Pas gen côté li dit tu haïras ton ennemi. Côté tu haïras ton ennemi en sortie, eh bien ces traditions orales pharisiens ont vinn développer, yo ajouté dans ça la loi de Dieu que le tebay à Moïse, yo ajouté sous lui. Premièrement, yo pas respecté l'essence de la loi. Tu aimeras ton prochain, yo fait le sou apparence pour moun ka wè, c'est yo même qui pi spirituel, c'est yo même qui pi pieux. Deuxièmement, yo profité ajouter l'autre bagaille pour yo régler propre compte pa yo, pour yo asseoir autorité religieuse yo. Donc cette deuxième partie que Jésus cite, et tu haïras ton ennemi, c'était pas dans la loi de Dieu de haïr son ennemi. Ces pharisiens yo dans tradition orale yo qui ajoutaient. Je vais pas rentrer dans les histoires, dans l'histoire de la formation de la religion juive. Judaïsme, justement, il prend naissance à partir de ajout ça. C'est ça que fait yo gagne de lois écrites que nous jouons dans la Torah. Mais yo gagne tout à travers la Mishma, différents types de lois verbales que yo même yo ajouté au fil des temps pour yo grossir. Loi que bon Dieu te baille, yon façon yon dit et yon, pour yon amener moun à observer la loi. C'est comme si sa bon Dieu te baille là, pour moun ka observe, faut que yon ajoute de l'autre petit bagay en plus. C'est comme ça yon bien aimé, yon ajoute pas yon. Et le Jésus a cité ça yon fait, Jésus connaît tradition orale qui te existe yon, tu haïras ton ennemi, Jésus va le dire ok, mais moi-même mes samedis, Jésus va leur parler à partir de sa propre autorité. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le Seigneur Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Ipral accomplit, l'Ipral baille la loi toute sens-li, l'Ipral baille la loi toute profondeur que pharisien yo, yoté tout simplement galvaudé. Et c'est dans ce sens ça, le texte nous dit qu'il est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Comment il accomplit la loi? Il accomplit la loi de façon essentiellement. Premièrement, il a la loi tout sens. Il a montré qui ça la loi te vle dit dans l'esprit loi. Et puis deuxièmement, il a montré pas gen moun qui a observé la loi pour ta joindre justification. Et c'est comme ça, lui-même, l'Ipral accomplit la loi. De telle sorte que qu'on y a moun qui, par la foi, accepte justification yo de Jésus lui-même, yo même tout, yo satisfait exigence ça, exigence la loi que yo pas ka satisfait. Encore une fois, ça est absolument fondamental, mais bien aimé, pour nous comprendre. C'est à travers Jésus-Christ nous qu'a une justification parce que personne pas qu'a justifié tête li au moyen de la loi. Dans Galates chapitre 3 au verset 24, l'apôtre Paul pral dit parce que li développé en pile sous thématique ça sous sujet la loi. Li pral dit chrétien yo, la loi li était là tant qu'un pédagogue pour conduire nous à Christ. La loi li était là seulement pour l'indiquer que même si on moun ta gen volonté pour l'observer la loi, li pa privé. Et donc la loi t'est là pour li pointer nous vers Christ afin que nous dit l'apôtre Paul nous capable justifier par la foi et non par la loi. Sont intéressés sous thématique la loi avec la foi, comment moun justifier dans un bon Dieu, comment moun yo rentrer dans le royaume de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. M'a pas courage l'organ li le livre de Galates qui développait extensiblement sous question ça. Cependant, ça me tarait mon retenu pour aujourd'hui, pour ça qui concernait nous. Le Seigneur Jésus a dit, moi vin accompli ça la loi pas qu'a accompli. De manière pratique pour nous, ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire tout simplement, moun jodi qui t'a gain tendance, mandé nous pour nous observer la loi j'en était existé dans l'Ancien Testament. Eh bien, c'est parce que yo pas comprendre accomplissement le Seigneur Jésus t'est vinn fait. Hein. Moun qui pensait yo ka joine justification yo pendant y a respecté bagaille la loi te baille.
Eh bien, tout simplement, ils n'ont pas compris justification en Christ. Ou pas justifié parce qu'on observait la loi, ou pas capable de justifier par la loi. C'est seulement par la foi en Jésus-Christ qui lui-même accomplit la loi. Encore une fois, sur la croix, il dit toute bagaille accomplie, toute ça, la loi et les prophètes. Il te dit, non, moi-même, Jésus-Christ, yo accompli. Et donc, le nous placer foi, nous, dans le Seigneur Jésus, c'est le ça simplement, bien-aimé dans le Seigneur, nous justifier. Nous justifier. Si la loi te kembe encore aujourd'hui, hein, ça t'avait dit, Jésus n'est pas accompli toute bagaille. Si la loi est de rigueur aujourd'hui, hein, ça veut dire la mort de Christ est insuffisant pour le justifier, pour le sauver. Tout le monde qui t'a accroché à la loi, c'est tout simplement ça, il a dit, la mort de Christ pas suffit. Ça te fait moi remettre le texte, Paul là encore une fois, dans Galates chapitre 2, au verset 16, l'apôtre Paul nous dit, « Nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclaré juste par la foi et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car, comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. » Et je relis ce fragment du verset, Galates 2 au verset 16. « Personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. » Pas de monde qui a justifié tête, pas de monde qui a juste parce que l'été accompli ça la loi déclarée. Parce que tout simplement, c'est impossible. Je vous dis, hein, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a le monde qui a fait nous croire que c'est loi observée, bagaille qui t'est dit dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais citer quelques exemples. J'en ai compris une question sabbat, j'en ai compris une question manger. Il y a un paquet de bagailles, le monde pensait que c'est l'œil observé, bagaille ça, il y a atteindre la justification. Mais le texte nous le dit clairement, personne ne sera déclaré juste parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Ce n'est pas la loi qui est justifiée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est justifié. Et c'est en ce sens, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est venu accomplir la loi. Ça, la loi pas de café, lui-même l'y fait. Il est bon pour nous comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ce que le Seigneur Jésus a accompli pour nous, c'est qu'il prend sous le fardeau la loi. Ça, nous-mêmes, nous pas qu'à observer, hein. Li prend, li fait le prend tout sens li. Li bal tout sens li, toute profondeur li. Et nous parlons à partir de samedi, si bon Dieu voulait, qui tout sens, profondeur la loi gagnait que Jésus vin accomplir. Hein. Parce que quand il s'agit d'aimer, il ne s'agit pas simplement d'aimer nos amis, nos frères, nos voisins, ceux-là avec qui nous nous sentons bien. Il s'agit aussi d'aimer nos ennemis. Et bien aimé, si nous honnêtes, moi-même avec vous, d'accord, nous n'avons pas cette nature. Nous n'avons pas cette capacité de nous élever jusqu'à cette exigence. Et c'est ça que fait Jésus, le juste, le seul. C'est lui-même qui t'a accompli la loi. Lui baille la loi tout sens lui et puis l'y accomplit. Parce que il est question d'aimer notre prochain. Même notre ennemi est notre prochain. Comment aimer notre ennemi? Comment aimer celui qui nous veut du mal? Comment aimer celui qui nous fait du mal? Nous pas capables. Nous pas un logiciel ça dans nous, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est ça que fait en Jésus-Christ. Livin qu'on y a possible, parce que n'abgé pour nous ça, nous vin habilité, nous vin gon logiciel. Bon Dieu refait nous à travers cette nouvelle justification en Jésus-Christ. L'habilité nous pour nous faire ça, nous pas tap ka fait,
par nous-mêmes en observant la loi. M'espérer, bien-aimé, ou comprendre toute profondeur, ça le Seigneur a pensé nier disciples. Il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour le remettre bagaille en place, yo. Faire prendre tout sens. Yo. Et une fois que vous finissez prendre sens, yo, pour l'accomplir lui-même, car il n'y a de juste que lui seul. Et pour finir, dans le verset, au verset 20, le Seigneur dit à ses disciples, « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » La justice que Christ a fait référence avec là pour les pharisiens, c'est la justice d'apparat, c'est la justice qui vient de une conformité extérieure. Il y a 20 têtes pour mon kawaii spirituel, pour mon kawaii pieux. Mais en réalité, au fond, ils ne sont pas vraiment dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et Jésus a dit disciples, si c'est mon sao qui modèle nous, si c'est mon sao nous prend comme exemple, si c'est mon sao nous considérer comme marche à suivre, nous pas qu'à rentrer dans le royaume des cieux. Laissez-moi terminer pour vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de la foi, il y a une seule façon pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pendant placer foi ou dans le Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même justifié, ou pas qu'à justifier propre tête, par l'observation de la loi. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui côtoyer, donc qui religion y est. Mais quel que soit côtoyant, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Pas de justification dans l'observation de la loi. La justification n'est seulement en Jésus-Christ. On espérait parole ça, yo encourage, yo faut comprendre. Il n'y a que par Christ, nous pouvons avoir accès à Dieu le Père. On espérait parole bon Dieu, et de continuer à grandir. Et pas oublier, mes bien-aimés dans le Seigneur, pas oublier, il est venu. Non pour abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Pas grand-quelle raison pour moi-même avec vous, nous mettez tête nous en bas joue la loi encore. Pas grand-quelle raison pour nous retourner esclaves. Parce que en Jésus-Christ, tout est accompli. Tout ça nous est pour nous faire, c'est placer foi nous dans la justification de Jésus-Christ. Par la foi, nous avons accès au salut. Par la foi, nous entrons dans cette nouvelle relation avec Dieu. Que le Seigneur aide nous comprendre parole ça et méditer. Et que le Seigneur fait le prendre racine jusqu'au grand jour de l'éternité. Soyez bénis. Que le Seigneur vous accompagne.